Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce 1er juillet, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, ce 1er juillet. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix. Un tirage à choix sentimental. Donc je te propose de choisir la carte numéro 1 ici, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Je te laisse 2 secondes pour choisir et du temps, je te présente l'oracle de l'union sacrée que je te présente aujourd'hui et qui est Karine est partenaire avec moi. Donc n'hésitez pas à aller découvrir son site. Elle a créé des oracles juste fabuleux. Donc vous avez les lumières d'Inanna, qui est un oracle plutôt général que je vous présenterai aussi hein, sur la chaîne. Là, vous avez les ailes de Raphaël, un oracle de guérison. Donc pour vous aider à travailler sur vos blessures, tout ça, et donc l'oracle sentimental, celui-ci, que je vous présente maintenant. Donc tu as fait ton choix entre la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors la carte numéro 1, on te parle de la routine. Il y a quelque chose qui te gonfle, tu en as ras-le-bol. En fait, c'est lassant, quoi. Voilà, ta relation, elle ne te fait pas vibrer à l'heure d'aujourd'hui. Clairement, tu en as marre, tu as envie d'avoir du... un petit peu de nouveauté, un petit peu d'entrain. Donc, je ne sais pas où va aller ta relation à l'heure d'aujourd'hui, mais en tout cas, toi, tu as besoin de changement, tu as besoin de t'éclater, tu as besoin. Alors, tu peux relancer ton couple, d'accord, bien sûr. Je ne dis pas que c'est foutu, mais par contre, en tout cas, cette routine-là, elle te bouffe à l'heure d'aujourd'hui. La carte numéro 2, on te parle de faire une pause. Bon, c'est pas la joie aujourd'hui, hein, les amis, là. Donc, la carte numéro 2, on te parle de faire une pause, de faire un break. Toi aussi, tu as beaucoup de remises en question sur ce couple-là. Et tu te dis, qu'est-ce qui me fait vibrer là-dedans? Eh bien, peut-être plus rien. Tu as besoin de prendre du recul, de faire un bilan, tu vois, sur cette relation. Donc, bon, c'est pas grave, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi non plus. Mais en tout cas, tu as besoin de faire ce break-là. Et pour certains, oui, ça sera fini. Si vous vous posez cette question, je vous réponds tout de suite. Alors, la carte numéro 3, on a le coup de foudre. Eh ben voilà, un beau message. Le coup de foudre, donc pour toi, par contre, carte numéro 3, eh ben écoute, tu seras dans la passion, dans quelque chose de magique, vraiment quelque chose qui te fait vibrer. Voilà, donc je suis ravie de te transmettre ce message-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage vous parle vraiment. C'est important pour moi de partager avec vous. J'aimerais faire vivre vraiment cette chaîne et je vous répondrai. Sur ce, je vous fais des bisous et à très vite.